Bonjour tout le monde et bienvenue sur Cartoon Télé. Aujourd'hui, on va parler de Last Man, un dessin animé très attendu, puisqu'il a été présenté comme la première série d'animation 100% française destinée à un public adulte, c'est-à-dire avec de la violence, des gros mots et du sexe. Je ne connaissais pas cette expression, œil pour œil, zob pour zob. Aligato, Aldanasan, notre Yaboun sera satisfait. T'es mort, Aldanasan, mort. Le deal, c'était pas de bobo. Moi, je vois pas de bobo. T'es même encore plus propre que quand t'es arrivé. Last Man fait partie de ce genre de projet qu'on a envie d'aimer avant même de l'avoir découvert. Comme on l'a dit, c'est un ovni dans le paysage de l'animation française qui d'habitude se cantonne aux cartoons pour enfants. Il lui a donc fallu créer son propre créneau, ce qui a rendu le développement plutôt chaotique. Last Man avait pourtant les arguments pour s'imposer, puisqu'elle s'inscrit dans l'univers de la bande dessinée du même nom, une œuvre à succès lancée en 2013 par le trio Balak, Bastien Vivès et Mickaël Sanslaville, qui a même donné naissance à un jeu vidéo, Last Fight. L'adaptation télévisuelle a elle été confiée à une équipe de choix, le réalisateur Jérémy Perrin, le directeur d'écriture Laurent Serfati et le directeur artistique Mickaël Robert, un trio qui s'est notamment distingué grâce au clip Fantasy de Die. Bref, tout était réuni pour que ça marche, mais c'était sans compter la frilosité de certains investisseurs, un en particulier selon l'équipe, qui a lâché le projet à mi-parcours, obligeant la société de production Everybody on Deck à porter Last Man à bout de bras et à faire appel en dernier recours au financement participatif pour pouvoir boucler la série dans les temps. Heureusement, les fans ont été réactifs, au point de lâcher près de 200 000 euros. Le résultat est un show de 26 épisodes, d'une durée de 12 minutes, diffusé par France 4 à la fin de l'année 2016. Bon, t'en étais où ? Un fou, une branlée au sale con. Ah, ouais, donc... Alors ? Je commence quand ? Mais alors, que vaut donc ce passage sur petit écran ? Au-delà de son statut de pionnier dans le genre en France, Last Man est-elle tout simplement une bonne série qui tient la route ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour se remettre dans le contexte, il faut savoir que c'est un préquel de la bande dessinée. Un choix plutôt malin qui permet de toucher un public novice à l'univers de Last Man, comme moi par exemple, je n'ai pas lu le manga, et cela prouve aussi que c'est un projet qui n'a rien de paresseux et qu'on est vraiment dans la création. Au niveau du synopsis, on se voit plongé dans la ville de Paxtown, une cité corrompue, où on suit Richard Aldana, un jeune branleur un peu paumé, qui tue le temps à la salle de boxe. Sa vie bascule lorsque son entraîneur et ami Dave est assassiné. Richard doit alors s'occuper de Siri, la fille de Dave qui s'avère être poursuivie par une mystérieuse secte, l'Ordre du Lion. Last Man, c'est d'abord un univers à la fois original et très référencé. La série jongle constamment entre les styles. On passe sans souci de séquences urbaines axées autour de la castagne et des petits règlements de compte à des scènes horrifiques et fantasmagoriques. Dans une interview sur No Life, Jérémy Perrin détaille un peu plus les références qui ont guidé l'écriture. Il parle à la fois du Nouvel Hollywood, de Brian De Palma, John Carpenter ou encore George Romero, mais aussi de l'animation japonaise, de Akira à Ghost in the Shell, sans oublier le cinéma italien des années 70 ou encore Metal Hurlant. Des noms qui évoquent donc sans détour le cinéma de genre, et ça fait très plaisir. Surtout que ces inspirations sont utilisées à bon escient. Elles servent l'histoire et ne sont pas uniquement là pour jouer le jeu de la citation ou conforter le fan de pop culture dans son petit cocon. Après, cet équilibre entre narration et référence reste une appréciation très subjective. Pour prendre un exemple récent, la série de Netflix Stranger Things, j'ai trouvé que le récit était assez fort pour transcender ses inspirations, alors que d'autres, au contraire, ne voyaient qu'une parodie grossière. Peut-être que certains diront cela de Last Man, en tout cas pour ma part je vois d'abord une bonne série qui fait du genre avec sérieux et panache. Hé les têtes de bite ! Laissez-la ! C'est trop de beauté. Oh merde. De retour sur Terre ? Merci. Voyons maintenant de plus près ce qu'il en est au niveau de l'animation, des dialogues et de la musique. La réalisation est un autre gros point fort du cartoon. Last Man possède un sens du rythme très juste. D'un côté, les scènes d'action sont flamboyantes, intenses, mêlant arrêt sur image et effets visuels clinquants. De l'autre, on va avoir des passages plus lents où les atmosphères sont particulièrement travaillées.
Certes, après une quinzaine d'épisodes, cette mécanique devient assez routinière, mais ça ne gâche en rien l'ensemble qui est tout simplement beau, bien foutu et jamais brouillon. Le character design est lui aussi top. On a quelque chose de très années 80, assez sobre pour les héros, mais beaucoup plus outrancier et délirant pour les boxeurs. Quant aux créatures, les fameux roitelets, ils sont bluffants, tous dans des styles différents. Concernant les dialogues, là aussi ça fonctionne, la série est dotée d'un humour assez gras sans pour autant verser dans la vulgarité gratuite. L'équilibre est bien trouvé, et cela permet au passage plus émotionnel de ne pas sonner faux. Cela tient aussi dans l'excellent casting des voix, qui ont tout ce petit charme stéréotypé, un peu daté, auquel on s'attache vite. Bon, tu comprends quand je te dis, c'est dangereux de me suivre ? Arrête de me casser les couilles. Vous avez une mauvaise influence sur elle. Tu crois ? Enfin, la bande-son, là aussi rien à redire, elle est classe, toujours à sa place, permettant à certaines scènes de vraiment décoller. Je sais qui tu es. Dans son intention et dans la forme, Last Man est donc une belle réussite. Mais qu'en est-il au niveau de l'écriture ? Globalement, le dessin animé tient son pari de feuilleton en nous tenant en haleine le long des 26 épisodes. L'histoire principale autour de Siri, du frère de Dave et des mystérieux roitelets est prenante avec un arrière-goût de tragédie assez intéressant. Même si à mi-parcours on comprend à peu près de quoi il va retourner, chaque rencontre avec ses démons apporte une nouvelle perspective et amène à un épilogue aussi intense que poétique. Par contre, les arcs narratifs secondaires sont eux un peu plus bancales. Donc en gros, tout ce qui se passe entre la chasse au roitelet, c'est-à-dire par exemple les entraînements de Richard Aldana pour le tournoi de boxe, sa relation avec Tommy Katana ou encore les histoires avec la mafia du coin. Il y a de bonnes idées, mais ça s'effrite un peu au fur et à mesure, au point que certains rebondissements ressemblent à du remplissage. J'ai notamment l'exemple des épisodes 18 et 19 qui consistent en une critique du système des médias et de l'information spectacle façon BFM télé. Si l'intention est louable, le traitement est trop peu subtil, avec des clins d'œil m'as-tu vu aux attentats de janvier 2015 et notamment la prise d'otage de l'hypercachère. Là où une telle critique aurait pu être distillée avec parcimonie tout au long du cartoon, on se retrouve avec deux épisodes un peu nuls qui tombent comme un cheveu sur la soupe. Heureusement, ces petites faiblesses sont finalement noyées dans un récit solide où il faut également saluer la qualité d'écriture des personnages qui évoluent et se complexifient. Richard Aldana en tête, d'abord petit morveux arrogant qui devient un héros par défaut attachant. Sa relation avec Siri est assez belle, avec en toile de fond les tourments de l'adolescence face à la maladie pour la jeune fille et le passage à l'âge des responsabilités pour Richard. Ça paraît assez cliché dit comme ça, mais c'est amené avec finesse. D'autant qu'au départ, on croit tomber sur une série de bonhommes se résumant à de la baston et des blagues de cul, alors que finalement tout ça n'est que la partie immergée de l'iceberg. D'ailleurs, outre Siri, on retrouve un autre personnage féminin fort, Tommy Katana, qui se bat pour être légitime dans un monde d'hommes où elle est réduite à son physique. Enfin, les personnages secondaires ne sont pas à négliger, beaucoup sont stéréotypés et servent le volet humoristique comme le Saint-Père, mais d'autres font tout de même preuve d'une certaine profondeur, comme Joufflu dont la trajectoire est très intéressante. En conclusion, que dire de plus si ce n'est vous recommander tout simplement de regarder Last Man, une belle anomalie qui prouve que l'animation française peut produire des séries percutantes et imaginatives. Nous, on se retrouve dans peu de temps pour une nouvelle vidéo, à bientôt donc.